On est tous un peu accro à cette chose qui mesure entre 10 et 15 cm. Je veux bien entendu parler du téléphone. Et ouais, tu t'attendais à quoi? Et oui, cet objet est devenu un objet du quotidien qu'on ne peut pas se passer. Et c'est vrai que moi, je suis complètement accro. D'ailleurs, celui-ci, c'est mon deuxième téléphone. C'est l'iPhone 7, je pense, parce que je filme avec mon iPhone. Donc, on est quand même une grosse, une énorme partie à être accro à notre smartphone, nos GSM, notre calculatrice. Et du coup, je me suis dit, je vais décoter 5 objets qui seraient normalement utile d'après Amazon pour nos téléphones. Et nous allons tester ça ensemble. Et c'est muni de mon buzzer d'or. Si je buzz, ça veut dire que cet objet est complètement nul et ne sert à rien. Donc j'espère pour vous les gars là. Oui, vous, vous avez intérêt à ce que je vous buzz pas. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, de t'abonner, d'activer la cloche. Alors les frites, on va tester le tout premier objet qui est un baffle Bluetooth en forme de chien. Et alors attention, il a une petite particularité, c'est qu'il danse. Donc du coup, en fait, pendant la musique, normalement il fait des mouvements, c'est comme ça qu'on nous le vend. On voit bien là, ok. Vous avez plusieurs animaux à collectionner, et ça c'est vraiment cool. Moi j'ai pris le chien. Voilà, j'avais hésité avec la licorne, je vous avoue. Il a 4 heures d'autonomie, il a un son de 3 watts. Voilà, et 3 watts ça me semble pas beaucoup, mais eux ils le mettent en valeur comme si c'était... énorme. Moi je trouve que le côté fun seulement, c'est le côté où il danse. Donc du coup on va déballer ça. Ah, ouh, c'est pire qu'un accouchement. Oh regardez, il est trop mignon le petit chien. Et le baffle est situé à l'arrière. Ce qui est bien, c'est qu'il est rechargeable par USB. Oh. On va tester ça. On va te connecter au Bluetooth. C'est bon, on est connecté. Donc du coup on va tester avec une musique. J'ai oublié, il y a les copyrights. Donc je ne vais pas tester avec une musique, mais je vais tester en regardant une de mes vidéos YouTube. Au moins, il n'y a pas de copyright, c'est à moi. Voilà. Ok. Je vois la lumière. C'est tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui... Mais moi, je m'attendais à ce que... Ce qu'est une danse plus actuelle. Mais là, il fait rien d'extraordinaire. Et... Faut danser. C'est tout. Bon, et le son n'est pas très fort. Des tournages ici pour TikTok. Et très mauvais. En fait, il balance juste les pieds. Moi, je m'attendais qu'il danse autrement. Bon, on peut enlever la fonction danse. En même temps, je vais te dire qu'il est la fonction danse ou pas. Bon, bah, les frites, dites-moi un petit peu en commentaire si vous trouvez cet objet utile ou fun. Moi perso, je suis assez déçu parce que la façon qu'ils le vendent, je trouve que il danse plus au rythme de la musique. Et en fait non, c'est un balancier régulier. Donc en fin de compte, c'est pas top top. Je mets juste un point positif pour le côté original du baffle. Le son est vraiment dégueulasse. Je mets déjà un buzz de la mort. Bon du coup on passe au deuxième objet. Alors c'est un petit objet. Je trouvais ça assez sympa parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Ce sont des cache caméras anti-espions. Donc en fait, vous savez que parfois, il y a des applications qui vous espionnent. Bon, normalement, il y a un règlement où ils devraient vous le signaler. Mais parfois, ce n'est pas le cas, ou même un piratage. Et donc du coup, ces petits caches permettent de cacher votre petite caméra pour être sûr que vous observez pas pendant que vous êtes sur votre téléphone. Je trouve le principe assez sympa, c'est pas très cher. En plus, c'est assez fun. Regardez, il y a plein d'animaux. Oh, j'en ai déjà perdu. Alors, ça a l'air très simple. Il suffit d'enlever le petit collant. Et alors... de le mettre sur le téléphone. Regardez, c'est pas mignon? Ça gêne en rien. Regardez, ça gêne en rien. On a toute la visibilité. Donc il n'y a pas de souci, je peux prendre un petit selfie. Et alors du coup, quand on ferme... Alors on va filmer de l'autre côté. Quand on ferme... Ah ben non, si je filme de... Ah, la blonde! Mais oui, si je filme de l'autre côté, évidemment! Évidemment qu'on voit! Donc je vais retourner ma caméra. Voilà! Regardez, c'est noir! Donc du coup... Hop! On voit... On voit plus. On voit... On voit plus. On voit un peu, on voit plus, on voit. Donc c'est bon, c'est une réussite. Alors, sincèrement, c'est validé. Pas cher, je crois que j'ai payé ça 1 € et quelques fafouettes. Oui, ça se dit fafouette. On va mettre ça sur les téléphones de vos enfants, vous êtes encore plus sûr. Ok, c'est validé. Alors ici, pour le troisième objet, les frites, je me suis mis assis par terre. Pour une raison bien précise, c'est que j'ai acheté des lunettes qui nous vendent la particularité de pouvoir regarder son téléphone ou de lire un livre tout en étant allongé. Alors... moi, j'ai vraiment été tenté, mais sincèrement, à l'acheter. Quand tu es assis tout le temps sur ton téléphone, t'es comme ça. Là, en fait, ils vendent qu'on puisse mettre notre téléphone comme ça et être allongé. Et on voit notre série Netflix. J'ai hâte de tester ça, sincèrement. Et ça devient du luxe. Nous avons même une petite housse
et un petit chiffon pour les nettoyer. Alors c'est ça, on n'est pas chouchouté. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, par contre, ça a regardé tout seul. Parce que là, si vous avez un rendez-vous galant, ce n'est vraiment pas le moment parce que on a l'air un peu ridicule. Alors, j'ai déjà un petit poil là qui est coincé. J'espère que c'est pas un poil du cul de celui qui a préparé les lunettes. Hop. Alors déjà, je pense que ça va être... Oula. Ah oui, effectivement, je vois mes pieds. Ah, c'est perturbant. Alors du coup, on va tester ça. Je vais prendre mon téléphone. Je vais pas regarder Netflix pour les droits d'auteur, mais je vais regarder une de mes vidéos sur YouTube. Le gars, il regarde que ses vidéos. Je ne vis que grâce à mes vidéos. Je vais m'allonger. Je vois plus la caméra, c'est perturbant. Et ça marche. Ça marche. Mais, voilà, je dois quand même tenir comme ça. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a une ligne au milieu. Ça coupe quand même l'image en deux. Donc, en gros, ça sert à pas grand chose. Et si je mets là, ça ne va pas. Je vais mettre ma tête. Vive le double menton. Je vais essayer comme ça, avec mon téléphone comme ça. Non, il doit être mis là. Ok, si mon téléphone est mis là, je peux regarder comme ça. Bah, en fin de compte, sincèrement, je préfère regarder comme ça. Hein. Ça permet juste de poser le bras. Allez, ça donne la nausée. Hein. Ah. C'est pas validé du tout, sincèrement, j'ai déjà mal à la tête après 2 minutes. Prends mon petit buzzer, c'est pas validé du tout. Et sinon, toi, tu es célibataire? Ouais. Ah non, fais pas attention, j'aime bien regarder mes pieds. Donc du coup, je mets des lunettes pour voir mes pieds. Ah bah ça évite de voir ta gueule. Alors, le quatrième objet est un réflecteur de ton téléphone. De reproduire une image plus grande sur un écran comme si c'était une télévision. Regardez comme ça a l'air net et tout, ça a l'air superbe. Sincèrement, ça donne envie, regardez comme ils ont l'air bien. Oula, ça fait déjà mal aux yeux. En fait, c'est comme une loupe. Donc c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Mais alors vraiment pas, je m'attendais pas à ça. Donc en fait, vous là déjà, vous voyez déjà mes projecteurs. On va tester avec une de mes vidéos. Parce que je suis pas du tout narcissique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites ventouses pour son téléphone. Mais on voit rien. Ah oui. Ah oui, je vois. Je vois. Ah mais oui, mais effectivement. Attendez, je vous prends avec. Alors oui, ça a grandi, mais ça remplit même pas tout l'écran. Et alors, comme c'est une loupe bizarre, vous avez toutes des lignes et tout, et ça reflète énormément la lumière qu'il y a autour. Je vais éteindre les lumières. Ah, les lumières éteintes, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, ça prend même pas tout l'écran. Bon, ce n'est ni un échec, ni une réussite. Ça fait le taf qu'ils ont dit. Je m'attendais vraiment que ce soit comme une loupe. Mais par contre, la qualité est vraiment mais dégueulasse. Je ne buzz pas. Mais j'achète pas vraiment. Désolé ma chérie pour le film, mais je suis un peu pauvre en ce moment. Alors là, nous arrivons sur le dernier article, et ça va être l'article le plus pénible pour moi. Parce qu'en fait, c'est une boîte anti-addiction. Donc vous devez mettre votre téléphone avec un temps limité. Par exemple, 2h, 4h, 24h, 48h, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour ne pas aller chercher votre téléphone. Alors les parents, si vous avez envie d'être sadique avec vos enfants, ça coûte à peu près une 40aine d'euros. Donc c'est l'article le plus cher que j'ai acheté dans ces 5 articles. Oh, mais regardez comme c'est beau, sincèrement. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pour tous les téléphones, qu'ils soient grands, petits ou quoi que ce soit. C'est valable pour tout le monde. Alors, ce qui est encore plus sadique, c'est que vous pouvez voir à travers, et donc du coup, vous pouvez voir quand vous avez des notifications et ne pas les toucher. Alors, nous avons un câble pour le recharger, ça c'est génial. Donc c'est pas à pile non plus, donc pas de risque non plus. Alors du coup, on met son téléphone, on verrouille, on choisit le temps. On peut mettre jusque 99 heures. On va pas mettre autant, hein. Je vais mettre genre 1 minute, parce que là, je me sens déjà pas bien. Ça doit être horrible, 99 heures. Ok, je mets 1 minute. Dans 10 secondes, il verrouille. Donc là, il me laisse 10 secondes pour vite me dépêcher à regarder une notif. J'ai entendu le bruit fatal. Effectivement, on peut pas ouvrir. Ah, il y avait une protection. J'avais pas vu. Ah, mais ça, c'est sadique. Il y a des ouvertures. On peut quand même lancer des trucs, en fait. Je peux lancer ma vidéo. Mais pourquoi ils ont fait ça? On est censé ne pas pouvoir prendre son téléphone. Mais je peux quand même. Donc, en fin de compte, ça sert à rien. Je peux même écrire un texto. Attendez, on va essayer d'envoyer un message à un abonné. Qui m'envoie des petites vidéos de chat, hein. Je vais essayer de lui envoyer un message. Hop, un petit smiley. Hop. C'est envoyé. C'est envoyé. Cette boîte ne sert à rien. Bon, ça s'est ouvert après 1 minute.
Mais cette boîte ne sert à rien, en fin de compte. Donc, les parents, offrez ça à tous vos enfants. C'est un échec. Et voilà les frites qui terminent cette vidéo. J'espère qu'elle t'a diverti, qu'elle t'a plu, qu'elle t'a amusé. Dis-moi en commentaire quel objet tu préfères que même en fin de compte. C'est pas parce que je l'aime pas que tu vas pas aimer. Et n'hésite pas à me dire surtout si tu en as acheté, si tu as déjà pu les tester. Je te dis à très vite les frites, à bientôt, ciao.